Bien, nous venons de voir comment, enregistrer donc un nouveau rendez-vous dans l'onglet qui correspond, c'est-à-dire pour l'année de l'agenda qui nous intéresse. Ici, c'était l'année 2015. L'onglet 2015 n'existait pas, donc il a été créé. S'il existait déjà, on aurait simplement enregistré dans l'onglet déjà existant. Par contre, bon, on a bien affiché nos enregistrements ici, nos rendez-vous. Mais on se rend compte que lorsque on actionne la barre de défilement, qui est ici, les jours évoluent bien comme on l'entend, hein, il n'y a pas de souci, on peut aller directement au 10, au 11, ou revenir au premier. Mais ce qui ne change pas, c'est la textbox 1. La textbox 1 qui est ici, en blanc maintenant. Alors, on va faire une macro de telle sorte que la textbox 1 réagisse à l'action, hein, à l'activation de la barre de défilement. Là, on marque le 1er janvier 2015. Ça nous affiche toujours les rendez-vous du 2 janvier, alors que ça devrait nous afficher jour de l'an. Puisque le 1er janvier 2015, ici 2015, il y a écrit jour de l'an et non pas les deux rendez-vous du 2. Donc on va voir comment on peut faire ça. On va déjà commencer par faire par créer une macro pour ça. Donc, on va effectuer une macro, voilà. On va l'appeler barre de défilement quand changement, très bien. Nouvelle. Bien, voici notre macro qui est prête. Alors, pour pouvoir afficher en actionnant la barre de défilement ce que nous voulons, hein, c'est-à-dire le contenu de l'onglet 2015 dans notre textbox 1, il va falloir faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire définir des variables. Le mois, la colonne, la ligne, l'onglet, tout ça, ce sont des informations qu'il nous faut. Donc, on va redéfinir ces variables. Dim-String, virgule. On va définir aussi jour. Donc, jour, as-String. Ensuite, il nous faudra l'onglet, évidemment. Onglet as-String. Non, pas scénario. String, ça suffira. Et donc, j'ai dit colonne as-String. Bien, voilà. Donc là, j'ai mes variables. Il nous en faudra peut-être davantage. On va initialiser onglet. Donc ce sera égal au contenu de la feuille 1. Au contenu de la feuille 1 et que cellule A1. C'est-à-dire cellule 1,1 2015. Ce sera ce qui est affiché ici. Donc onglet égal worksheets. Worksheets feuille 1. Voilà, et donc cellule sales 1,1 point value. Très bien, donc là on a défini l'onglet, c'est tout simplement la valeur qui est indiquée ici. Maintenant on va définir le mois, ça va être très facile. Égal, bien le mois c'est ce qui est marqué ici dans A2, donc égal range A2 point value, c'est pas obligé mais je vais le mettre value, très bien. Et encore une fois je vais avoir le même problème en fait avec le mois, parce que vous voyez bien ici que le mois c'est janvier,
ça n'est pas un ou deux, etc. Or, comme pour le tout à l'heure avec le l'onglet février, férié, pardon, vu que c'est exactement le même pour l'onglet 2015, je n'ai toujours pas de janvier, février, mars, avril, etc. Donc je n'ai que des colonnes numérotées de 1 à 12, ou alors des colonnes lettrées de A à L. Alors tout à l'heure, on a vu comment on se servait des numéros de colonnes. Maintenant, je vais vous montrer, c'est à peu près la même chose, comment on se sert des en-têtes de colonnes, c'est-à-dire des lettres A, B, C, D, etc. jusqu'à L. Bien, allons-y gaiement. Alors, je vais me servir d'un select qui va me servir à convertir en fait tous les cas de figure pour moi. Bien, je fais mon end select. End, je peux y arriver. End select. Et bien sûr. Select. Voici. Et donc, je vais dire, et c'est là que je vais me servir de la variable colonne que j'ai déclarée ici. Alors, je vais dire que dans le cas où j'ai janvier, dans le cas où j'ai janvier ici, hein, puisque c'est ici qu'on vient chercher la valeur de janvier. Dans le cas où ma valeur est janvier, bon, je recommence, j'étais en majuscule. Janvier. Voilà. Alors, colonne égale, alors non pas 1, mais A. Puisque ici, dans l'onglet où je travaille, on est bien sur la colonne A. Colonne A, et ce sera ligne 1, ligne 2, etc. Donc le jour, ce sera égal à 1, à 2, à 3, etc. jusqu'à 31. Donc voilà. Ce sera la colonne A, et ainsi de suite, jusqu'à la colonne L. J'en fais un autre après, je coupe et je reviens. Cas où j'ai février. Février. Et bien colonne. Sera égal à B. Naturellement, puisque le deuxième mois est sur la deuxième colonne, c'est la colonne B. Voilà. Donc je coupe la vidéo, je reviens dès que j'ai fini mes 12 mois. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé tous mes mois. Hein. Et donc j'ai fait comme tout à l'heure, mais au lieu de donner à colonne la valeur de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12, j'ai donné à colonne à chaque fois la valeur de la tête de colonne qu'il y a dans l'onglet 2015, à savoir A, B, C, D jusqu'à L. Bien, une fois que c'est fait, il me reste plus qu'à définir jour, puisque ici j'ai défini onglet, j'ai défini mois, c'est-à-dire colonne en fait. Il me manque jour et j'aurai donné une valeur à chacune des variables que j'ai définies. Donc jour, là aussi c'est assez facile. Le jour, je reviens ici. Le jour, c'est tout simplement ici, dans A3. Donc jour égal. Alors, sheets, feuille 1, celle, c'est bien, c'est tout simplement la deuxième ligne, donc 2, et la première colonne, 1. Voilà, donc point value. Non, c'est pas la deuxième ligne, c'est la troisième ligne. Hein. On est bien en troisième ligne pour le jour. Donc c'est ligne 3. Ligne 3 et colonne 1. Par contre, ça n'y a pas de problème. On tombe bien sur le 1. Donc voilà le jour.
comment on le définit. Ensuite, ce qui serait bien de faire, comme je l'ai fait là, bon, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est-à-dire d'afficher le nom du jour que, sur lequel vous travaillez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que vous verrez que ce sera fait de toute façon ici, dans la textbox 1. Moi, je l'ai fait, donc bon, je vous montre rapidement comment on fait. Ici, c'est du D, c'est la cellule D14. Hein, je l'ai centré à peu près. Hein. Je crois que j'ai même fusionné deux cellules. Bon, c'est tout à fait... en fait, c'est superficiel parce que, je vous dis, ça se retrouvera dans la textbox. Mais je l'avais fait, donc bah, je le marque. On va dire que range D14 point value. On va préciser quand même value. On va préciser la feuille parce que c'est pas obligatoire, mais ça va nous permettre de pouvoir utiliser cette formule de n'importe quel onglet. Donc je précise que c'est en feuille 1 avec un petit point d'exclamation comme ça. On arrive à coup sûr à cette cellule-ci. Voilà, donc range feuille 1 des 14 values égale, et bien ce sera égal à ce qu'il y aura dans la matrice, et encore, je ne suis pas sûr, oui, dans la matrice, pourquoi dans la matrice? Tout simplement, parce que dans la matrice, il y a tous les jours du calendrier. Il n'y a pas seulement, les week-ends. Vous voyez bien que c'est en gris, mais on le voit quand même. Hein. Il y a absolument tous les jours du calendrier, ce qui n'est pas le cas dans férié, puisque je vous rappelle que les cellules blanches sont vidées, hein, à cause de la fonction si, qui soit affiche, si c'est un week-end, un jour de week-end, le jour de week-end, ou alors n'affiche rien. Donc puiser les informations à partir de matrice, cette fois-ci. Donc ce sera égal à worksheets matrice, worksheets matrice, worksheets matrice, je ferme ma parenthèse, et ce sera le contenu de la cellule jour, virgule, colonne, point value. Voilà. Et donc avec cette ligne, on renseigne en fait, on renseigne dans D14 le contenu. Donc ici on a 1 et ici janvier est transformé en A. Donc, on aura le contenu de A1 qui s'affiche ici. Le contenu de matrice en A1. Ici, on aura donc le jeudi premier. Mais on va lui donner un format. On va lui donner un format de façon à ce que ça n'affiche pas jeudi premier, mais jeudi en entier. Alors, je crois que j'ai déjà fait. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même comment ça se passe. On vient dans format personnalisé pour cette cellule. Format personnalisé. Voilà. Et on sélectionne 4J. Alors vous risquez de ne pas les trouver, je vous le dis tout de suite, dans cette liste. Mais c'est pas grave. Vous prenez un format de date, n'importe quel. Et en fait, ça va s'afficher ici. Vous l'effacez et vous mettez 4J. Par exemple, vous faites comme ça. Vous effacez et vous mettez 1, 2, 3, 4J et ça mettra le nom du jour concerné en entier. C'est-à-dire ce sera mercredi et non pas mer, ce sera mardi et non pas mar, ou dimanche et non pas dim. D'accord ? Donc il suffit de mettre 4J comme ceci et vous aurez le format. Alors on va voir si ça fonctionne déjà. Ah, j'ai un petit problème. Inattendu. Alors oui, là c'est un égal.
colonne égale J. Bon, j'ai pas fait ailleurs, non, c'est bon, ça devrait être. J'espère qu'il n'y a que ça. Alors, voyons. Voilà, ça fonctionne. Vous voyez, ça m'affiche jeudi. Puisque le 1er janvier, on va chercher dans matrice, c'est bien jeudi. Jeudi 1er janvier. Et grâce à mon format 4J, ben ça m'affiche le nom entier du jour. Si je viens au 2 janvier, je suis au 2 janvier, on passe à vendredi, etc., etc. Alors ça c'est bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est de pouvoir afficher ici le contenu non pas de matrice, mais de 2015. Donc dans Textbox, il faut afficher le contenu de 2015, également en actionnant la barre de défilement. Alors en 2015, le jour de l'an, le 1er janvier, ça, il faut qu'il y ait marqué le jour de l'an dans la textbox. Ensuite, le 2 janvier, il faut qu'il y ait marqué les rendez-vous. Et le 3 janvier, il faudra qu'il y ait marqué le samedi, le dimanche, etc. Bien, on va voir comment on peut faire ça. Je reviens dans VBA. Donc là, vous avez compris, c'est simplement pour alimenter ça. Mais on va se servir quand même de toutes les autres variables qu'on a posées pour afficher donc ce qui nous intéresse dans la textbox 1 de la feuille 1. Hein, dans notre champ de vision, en fait, quoi. La vision. Alors, on va définir. J'ai oublié celle-là, une variable texte, par exemple. Qui sera égal au contenu donc de la même cellule en 2015. Donc on va faire un dim text. J'aurais pu le faire tout en haut. Hein. Dim text as string. Voilà, ça c'est fait. On va sélectionner. Alors on peut définir texte, un texte égal, alors texte égal, c'est le contenu d'onglet en fait, et comme on a utilisé des en-têtes de colonne, on va utiliser la propriété range, donc texte égal range, alors avec range, je vous rappelle que c'est colonne et ligne qu'il faut afficher. Donc range, il faut aller dans onglet, donc 2015 pour l'instant, hein, puisque c'est 2015 qui est sélectionné, donc ce sera l'onglet 2015. Là je vais concaténer mon point d'exclamation, que voici, et donc ce sera colonne, et jour, donc... Et jour, puisque je pense que j'ai défini jour. Voilà, ce sera colonne et jour. Et jour, voici point value. Voilà, colonne jour point value. Alors là, je pense que j'ai fait une erreur. Voilà, le range, il se termine ici. Oui, et ce serait bien de préciser au préalable, puisqu'on va ici on va chercher les infos dans onglet, ce serait bien de bien fixer la feuille où nous sommes en feuille 1 et textbox 1, puisque c'est là que nous voulons tout afficher. Donc je marque un petit sheets feuille 1. Voilà. Point texte box 1. Point select. Voilà. Donc on se positionne bien sur la texte box 1 de la feuille 1. Et pour notre variable texte qu'on va mettre ici, qu'on va afficher ici, on va chercher les infos dans l'onglet, c'est-à-dire 2015, et donc la bonne colonne et la bonne cellule. Ça devrait être bon.
Alors maintenant, ben on va l'afficher bêtement dans un premier temps. Et on va afficher bêtement pour voir ce que ça donne. Et après, on aura certainement des petites modifications à faire pour que ce soit un peu plus efficace. Alors donc, Sheets, feuille 1. Texte box 1.value égale texte. D'accord? On est allé chercher la valeur de texte dans l'onglet, hein, dans la bonne cellule de l'onglet, puisque l'onglet, on a enregistré les enregistrements, plus les jours fériés, les samedis et dimanches. Et par contre, il n'y a rien là où ça n'a pas encore été rempli. Donc c'est ce qui nous intéresse, c'est notre base de données pour 2015 en fait. Et donc avec ça, on va chercher le contenu dans la base de données et on met tout ça dans la variable texte. Et ensuite, on va dans notre textbox 1 pour afficher le contenu. Très bien. On va voir ça tout de suite si ça fonctionne. Alors. Erreur, on va voir ça, on va voir ce qui se passe. Oui, jour, ça le prend pas. Ça le prend pas parce que 16, 3, 1, c'est pourtant ça. Mais ça ne convient pas. Alors, c'est pas grave, on va le remplacer par range A3. Puisqu'ici, on est bien dans range A3. Alors, range A3 point, point value, il faut un U ici. Range A3 point value, alors ça devrait aller peut-être mieux. Voilà, je reprends donc. Voilà, très bien, on a jour de l'an. Le 1er janvier, donc c'est jour de l'an. Ensuite, le 2 janvier, on a nos deux rendez-vous. Et le 3 janvier, on a une date. Une date, pourquoi? Parce que c'est un week-end, certainement. 1, 2, 3, voilà. On a une date ici. Mais on a bien le jour de l'an, les deux rendez-vous. Et ensuite, on sait que c'est un week-end. Je vais aller jusqu'au 5 janvier. Vous verrez qu'à partir du 5 janvier, il ne devrait plus rien y avoir. Alors 3 janvier, 4 janvier. Il y a encore une date et 5 janvier, il n'y a plus rien. C'est normal puisque les cellules blanches ici sont vides grâce à ces deux guillemets ici. Très bien. Bon, alors c'est bien, je peux continuer comme ça donc tout le mois, je pense. Pardon. Allez. Bon, ça. Je vais revenir. Voilà. Si je viens ici. Par contre, on ne sait pas que c'est samedi et dimanche. Hein, là. On le sait ici. Donc, quand on l'affiche ici, on le sait ici. Mais ça ne s'affiche pas là. Alors, on va voir comment on peut arriver à améliorer ça. Puisque là, en fait, dans ce qu'on a fait ici, c'est qu'on met le contenu de la base de données dans texte et on affiche texte dans la textbox 1. Alors, ce serait bien de mettre des petites conditions pour que ce soit plus parlant. Alors, je vais reprendre ça. Bon, ça, je vais le garder parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de l'annuler, mais je vais mettre des petites conditions. Ici, oui. Alors, je vais afficher, en fait, je vais distinguer dans 2015. S'il s'agit d'un rendez-vous ou pas, ou si la colonne et la cellule est vide. Alors, on a trois types de cellules. Les cellules remplies avec du texte, bien simplement du texte, hein, vous le voyez, qui sont les faits fixes. Il y a les cellules où il y a des rendez-vous, il y a des cellules vides, et des cellules où il y a des dates, qui sont les week-ends.
Alors, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a fait l'enregistrement avec notre formulaire ici d'ajout d'enregistrement, on a dit que lorsqu'on ajoutait un rendez-vous, on ajustait systématiquement un CHR de 10, c'est-à-dire un retour à la ligne, de façon à ce qu'il y ait un rendez-vous par ligne. Donc tout ce qui est rendez-vous se termine par un CHR de 10, du coup. Alors c'est très bien, on va exploiter ça, puisque du coup, les jours fériés, qu'ils soient fixes ou mobiles d'ailleurs, n'ont pas de CHR de 10. Les cases vides n'ont pas de CHR de 10. Et les week-ends, les dates, donc il n'y a que les week-ends qui sont en date ici, n'ont pas de CHR de 10 non plus. Alors, on va distinguer les contenus qui se terminent par un CHR de 10 des autres. Comme ça, on saura si c'est un rendez-vous ou plusieurs rendez-vous, ou alors si c'est simplement un samedi, un dimanche ou un jour férié. Alors, on va venir ici. On va mettre un petit if. Alors pour savoir s'il y a un CHR de 10 à la fin, il suffit de vérifier que le premier caractère de droite du contenu de la cellule n'est pas un CHR de 10. Donc je vais utiliser la fonction write. Donc texte, si, virgule 1. Ça veut dire, si le premier caractère de droite de la valeur texte est différent de CHR de 10, c'est-à-dire si le premier caractère de droite, donc le dernier caractère en écrivant, hein, si le contenu ne se termine pas par un retour chariot, et que texte n'est pas vide, différent de rien, then. Voilà, et je vais mettre le end if, je le mettrai après. Donc en fait, cet in, ça veut dire si texte n'est pas un rendez-vous, alors on va mettre tout ça en forme. Alors sheets fire textbox, que ça se passe dans la textbox ici, hein. Ce qu'on va afficher là, on va le mettre en forme, donc sheets feuille 1. Ça c'est intéressant, ça, parce que ça va vous apprendre à mettre en forme les cellules ou les une textbox, c'est pareil, enfin c'est pareil pour une textbox avec VBA. Alors, sheetsfeuille.textbox 1. Point. On va s'occuper par exemple de la couleur d'écriture. La couleur d'écriture, c'est for color. For color, comme ça. Égal QB color 12. QB color de 12. Alors 12, c'est pour le rouge, pour un rouge vif. Voilà, et on va reprendre tout ça. Copier. Alors, on va faire une écriture rouge quand ce n'est pas un rendez-vous, hein. Donc, c'est soit un week-end, soit un jour férié. Le for color, c'est fait. On va lui mettre une couleur de. Alors, avant de mettre la couleur de fond, il faut modifier le style, parce que je vais vous montrer, en fait il est transparent par défaut, le style de la box 1, textbox 1, vous voyez là c'est vert, mais si en fait je déplace la textbox, vous voyez qu'il est complètement transparent, on voit tout ce qui est en dessous, hein. Donc en fait vous le voyez vert uniquement parce que la cellule en dessous est verte, donc là il est transparent. Je vais lui enlever sa transparence avec, alors c'est backstyle, backstyle,
égale, c'est tout simplement 1. 1 pour opaque et 0 pour transparent. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir donc faire un collier pour s'occuper de la couleur de fond. Donc, back color. Vous voyez que c'est pas compliqué. Back color, on va faire un cubic color. Alors, où j'en suis là? Color, on est d'accord, donc égal QB color, QB color de 15, c'est un fond blanc, ça. Ensuite, on va s'occuper de la taille de police pour que ce soit écrit plus grand que ça lorsque c'est un samedi, un dimanche ou un jour de fête. Que ça saute aux yeux, même si on a déjà enfin ici on a le nom du jour, mais si c'est une fête on ne le saura pas, donc on va le faire en grand ici. Donc pour la taille, pas très compliqué, c'est font size, font.size, on va le mettre en 35, hein, n'hésitons pas, bien grand. Et ensuite, bon, on n'a plus qu'à mettre la valeur, c'est-à-dire le sheets, feuille 1, voilà, texte. Alors ça, c'est si il ne s'agissait texte, donc le contenu, n'est pas en rendez-vous et n'est pas vide. Donc pour les jours fériés, pour les samedis et les dimanches, on aura cette mise en forme-là. Et si ce n'est pas le cas, donc si texte contient un rendez-vous, un ou plusieurs rendez-vous. Donc c'est là qu'on met le else et qu'on n'oublie pas le endif avant que ça fasse un bug. Voilà. Et bien on va recommencer. On va reprendre une écriture normale, hein, noire. Donc for color. Voilà. Égal cubicolor. De 0, ça c'est le noir. Ensuite, on va remettre le style, hein, on va ôter l'opacité, on va remettre la transparence, comme c'est actuellement. Donc, backstyle, backstyle égale 0. Donc là, il n'y aura pas d'opacité, hein, opacité 0. Et puis c'est tout, hein, je pense. Si la taille, on va remettre une taille normale d'écriture. Donc c'est font size, comme tout à l'heure. Font.size égale 16. Je pense que ça sera bon. Et par contre, il ne faut pas oublier de remettre ça, c'est-à-dire le contenu en question, hein. Copier, faire la mise en forme, c'est bien, mais si on ne met pas le contenu, ça ne sert à rien. Donc voilà, alors vous pourrez faire un arrêt sur image pour revoir tout ça. Alors, en fait, ce sont des propriétés de mise en forme. For color, donc c'est la couleur d'écriture. Backstyle, c'est l'opacité de la textbox, puisque c'est une textbox. Alors 1 c'est 100%, 0 c'est 0%. Donc là, il y aura 100% d'opacité, ce qui va nous permettre de mettre une couleur de fond, rouge. Ensuite, on modifie la taille d'écriture, on la met à 35, donc assez grande. Et ensuite, évidemment, on met le contenu, hein, qu'on est allé chercher dans la base de données de l'onglet 2015. Ici, c'est la même mise en forme, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on met une écriture noire au lieu d'une écriture rouge. Ici c'est une écriture rouge, ici on la passe en noir. On enlève l'opacité, c'est-à-dire on rend notre textbox transparente. Comme ça on aura la couleur de fond vert qu'il y a derrière la textbox 1. Et on remet une taille d'écriture équivalente à celle-ci, hein, je crois que c'est en 16. Et bien sûr ensuite on met le contenu de la base de données puisque c'est le but, hein, d'afficher le contenu. Bien, on va voir comment ça fonctionne. Donc je reviens ici, il y a un rendez-vous, il y a deux rendez-vous. Si je reviens au premier, donc j'ai, voilà, ça n'est
Ça n'est pas un rendez-vous, donc je l'ai en rouge et en grand avec un fond blanc. Donc, jour de l'an, là, on peut pas le louper quand même. On sait qu'il ne faut pas prendre de rendez-vous là. Ensuite, j'ai mes rendez-vous normaux. Donc, vous voyez que ça perd l'opacité. La textbox est à nouveau transparente et du coup, on voit le fond vert. L'écriture est noire et bon, de taille normale, on va dire, en 16. Ensuite, on a un week-end. Alors, par contre, ici, le week-end, on ne le sait pas. Enfin, on peut comprendre que c'est un week-end parce que c'est en rouge, mais ça n'est pas marqué. Il n'y a marqué ni samedi, ni dimanche. Donc voilà. Et ensuite, c'est vide. Donc, il n'y a rien qui se passe. Voilà. On a passé le samedi, le dimanche. Et on arrive à une case vide. Donc, il n'y a plus rien d'affiché, ce qui est normal. Alors, on va voir comment on peut faire pour que, de la même façon qu'ici, dans la textbox 1, quand on arrive à un week-end, ça nous l'affiche avec le nom du jour normal entier, hein, samedi et dimanche. On va voir ça tout de suite. Voilà, alors pour que ça l'affiche normalement, il suffit, enfin normalement, en entier, le mot en entier, il suffit de le demander. Donc en dessous du if ici, on va mettre texte, je l'ai bien déclaré, oui, texte. Égal format donc texte format texte et évidemment le format à savoir 4D. Alors 4D pour day. Hein, tout à l'heure je vous ai parlé de 4J parce que j'ai une version Excel en français. Donc jour ça prend un J. En VBA, tout se passe en anglais. Et donc, les jours, ben, ce sont des days. Et donc, on met 4D au lieu de mettre 4J. Voilà, je ferme ma fonction format. Et donc, là, j'ai formaté mon texte. Pour le cas où ce soit une cellule qui n'est pas vide. Et où ce ne soit pas un rendez-vous. Donc uniquement pour les jours fériés, les samedis et dimanches, on aura un format de texte, en jour entier. Alors on va voir ça tout de suite, on revient ici. Donc jour de l'an, ça c'était déjà le cas tout à l'heure, hein, puisque c'est pas une date. Ensuite, on a nos rendez-vous. Ensuite, on a le samedi, vous voyez, ça n'est plus affiché en date. Et ici, le dimanche. Voilà. Bien, alors j'ai juste oublié de vous préciser une petite chose, mais vous avez dû le remarquer vous-même. Lorsque on arrive à un jour où il y a des rendez-vous, vous voyez qu'ils sont bien les uns en dessous des autres. Il n'y a pas deux rendez-vous sur la même ligne. Et ça, c'est grâce à nos fameux CHR de 10 que l'on place à chaque fois qu'on enregistre donc un rendez-vous. Il y a le rendez-vous et un CHR de 10 qui est un caractère invisible, hein, mais qui quand même permet de revenir à la ligne pour positionner le rendez-vous suivant. Bien, alors tout ça fonctionne très bien, c'est parfait. On a à peu près terminé pour le côté gestion agenda. Il nous manque juste le bouton de modification, de suppression. Mise à jour la grille, on va le faire automatiquement, ça ne sera pas la peine. Voilà, donc bon, on a pratiquement fini de ce côté-là. Par contre, on a un grand espace à droite ici. On a une grande grille vierge que j'ai appelée vue d'ensemble et qui va nous servir en fait à afficher la vue d'ensemble de l'année d'agenda concerné. Ici, c'est 2015. Si on change, qu'on crée un agenda pour 2016, ben, ce sera l'agenda 2016 qui sera affiché ici. Et donc on va voir comment on fait pour remplir tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Nous allons appeler donc l'éditeur VBA avec Altef11. Bon, je suppose que ça vous connaissez le raccourci. Voilà, Altef11, on se rend dans la feuille 1, puisque nous sommes bien à feuille 1, et que c'est dans la feuille 1 qu'on veut tout afficher, dans cette grille qui est en dessous l'éditeur. Et on va créer une nouvelle macro
qu'on va appeler tout simplement sub vue ensemble, par exemple. Voilà. Sub vue ensemble. Et on va commencer par préparer le terrain, c'est-à-dire on va s'assurer que toute la grille est vierge. Donc on va effacer toutes les cellules qui vont de J3, ici c'est J3, jusqu'à U33. J3, U33, tout ça, il faut que ce soit bien propre, donc effacé. Alors c'est ce que nous allons faire. On va commencer par ça. On va faire un petit range. Range, donc J3, 2 points, U33, voilà, point select. Donc là, on sélectionne toute la zone qui nous intéresse. On va tout vider, alors on va faire un selection, point value. Égal clear contents ou deux guillemets, ça suffit. Ensuite, cette grille elle aura des mises en forme conditionnelles, par exemple les week-ends, samedi, dimanche seront d'une certaine couleur pour les distinguer des jours de la semaine, et il y aura également les jours de fête fixes et les jours de fête mobiles qui auront une mise en forme. Donc on va supprimer également toutes les mises en forme possibles. Donc on va faire un selection format condition, sélection format condition, tout simplement delete. Comme ça, ça supprime les conditions, non pas les conditions. Voilà, conditions, ça ira peut-être mieux. Et on va par contre s'assurer que toutes les cellules sont en blanc. On sélectionne. On va faire un intérieur color index. Alors ça c'est encore color index. C'est encore un autre procédé pour donner une couleur. Color index, j'ai déjà dit dans plusieurs tutos, c'est une série de 56 couleurs qui va de 1, enfin de 0 à 55, et qui sont des couleurs de base, mais bon, ça donne quand même 55 couleurs, 56 couleurs, donc c'est facilement exploitable. On va la mettre en 2, donc cette couleur de fond de cellule, 2 étant la couleur blanche. Donc une fois que tout ça est exécuté, on arrive à ce résultat-là, c'est-à-dire une grille complètement vierge. Bien, voilà, donc là, on a tout remis à zéro au niveau de notre grille. Maintenant, on va déclarer des variables, puisqu'on va en avoir grandement besoin. Alors, ce qu'il nous faudra à coup sûr, c'est la variable onglet, évidemment. Onglet is string, puisque il faudra savoir dans quel onglet on va chercher hein, pour afficher les données. Il va nous falloir une variable colonne, une variable ligne. Alors, on va dire col. Oui, on dit call as, là on va le prendre par contre en integer integer en entier hein. Integer call et ligne également ligne as string voilà colonne et ligne. Et il va nous en falloir d'autres, mais je viendrai les placer plus tard. L'onglet, on peut le définir de suite. Onglet égal. Eh bien, c'est toujours pareil, ce qui est affiché ici, dans la feuille 1, c'est-à-dire feuille 1, colonne 1, ligne 1. Donc
Allons-y gaiement. Sheets. Feuille 1. Point Cels. 1,1. Point value. Voilà ce que sera notre onglet. Donc là, pour l'instant, c'est l'onglet 2015. Hein, puisqu'on a que celui-là. Mais si on change ici, parce qu'on en crée un, par exemple, eh bien, on pourra... ça sera l'onglet 2016, par exemple, ou 2017, selon le cas. Bien, donc j'ai défini mon onglet, ma variable onglet. Maintenant, il va falloir parcourir. Il va falloir parcourir dans l'onglet 2015, donc, ici. Il va falloir parcourir des lignes pour connaître le contenu et des colonnes. D'accord ? On va tout parcourir. Donc pour ça, il faut faire deux boucles for imbriquées. La première qui parcourt les lignes. Alors allons-y. For ligne égale 1 to 31, puisqu'il y a 31 jours. Et que les lignes, alors je vais mettre un petit next ligne. Hein, bien entendu, il y a 31 lignes puisqu'il y a 31 jours. On arrive jusqu'au 31. Là. Donc pour parcourir tous les jours, il faut parcourir toutes les lignes. Donc 31 lignes. Voilà notre boucle ligne donc, qui parcourt, qui fait 31 tours. Et on va avoir un problème, mais c'est pas grave. Pour parcourir les colonnes, on va imbriquer donc une boucle for, for col, qui sera égale à 1 to 12. Voilà, on va faire le next col ici. Voilà, oui, les colonne. Pour parcourir la colonne, il faut faire 12 tours de boucle pour arriver jusqu'à la colonne L. Ça fait bien 12 colonnes pour 12 mois. Bien, une fois qu'on a fait ça, on va vite se rendre compte qu'on a un petit problème. C'est qu'ici, je vous l'ai dit, que ce soit pour les onglets créés ou pour matrice et férié, notre calendrier commence toujours à la première colonne et la première ligne. Donc on va pouvoir parcourir ici dans 2015 une boucle for qui va de 1 à 31 pour les lignes et une boucle for qui va de 1 à 12 pour les colonnes. Par contre, ici dans notre grille, ça démarre pas du tout à 1, ça démarre à J3, c'est-à-dire à colonne 10 et la ligne 3. Donc, mes lignes vont être décalées de 2 par rapport à 2015. Ici, je suis en ligne 1 pour le 1er janvier, alors qu'ici, je serai en ligne 3 pour le 1er janvier. En 2015, je serai en colonne 1 pour le 1er janvier, alors qu'ici, je serai en colonne J, c'est-à-dire la 10e colonne, pour le mois de janvier. Donc mes colonnes vont être décalées de 9. 9 plus 1, ça fait 10. Donc je vais avoir un décalage. Et pour assurer ce décalage, pour pouvoir faire une conversion, on va créer deux autres variables par rapport à, on va faire la jumelle de ligne et la jumelle de col. Donc on va faire une variable col1 is integer voici et ligne 1 is integer comme ceci. Voilà, je savais qu'il m'en faudrait plus. Donc voilà. Alors quand on définit, à chaque fois qu'on redéfinit ligne, donc, on va redéfinir également ligne 1. Donc ligne
1 sera égal à ligne plus 2. Plus 2, voilà. Alors je m'explique. Quand on va parcourir l'onglet onglet, c'est-à-dire 2015 ici, ligne sera égale à 1. Donc ce sera sur cette ligne-là. Et on va trouver le jour de l'an. Mais quand on va vouloir, on va lire donc la donnée ici, et on va l'afficher ici. Pour l'afficher, il ne faudra pas que ce soit en ligne 1, parce que la ligne 1, c'est ici. Donc, on dit que ligne est égale à ligne, qui est égale à 1, donc pour le premier tour de boucle, plus 2. 1 plus 1 et 1, 2, on arrive bien en ligne 3. D'accord? C'est une façon de décaler donc la valeur de ligne. Ligne 1, c'est égal à ligne plus 2. Donc ligne 1, 2, et on arrive à ligne 1. Et on va faire pareil pour colonne. Par contre, la colonne, on va le faire de suite. Colonne, ce sera donc, j'ai dit col 1. Col 1, ce sera égal à col. Donc la valeur, les valeurs successives de col, hein, de 1 à 12, plus 9. Plus 9. Voilà. Alors j'explique de la même façon ce qui se passe pour col. Col, au départ, c'est égal à 1. Et à chaque tour de boucle, ça prend 1, donc ça ira jusqu'à 12. Mais quand col est égal à 1, ça veut dire que col en 2015 est ici, c'est la colonne A. Col est égal à 1. Par contre, le contenu de cette colonne, en feuille 1, il ne faut pas le mettre en colonne 1. Il faut le mettre dans cette colonne, c'est-à-dire la colonne 10. Comme col est déjà égal à 1, si on ajoute 9, eh bien ça nous fait arriver en colonne 10. Donc en fait, ligne 1 et col 1 correspondent sur la feuille 1 à ligne et à col sur la feuille 2015 ici, sur l'onglet. Voilà. Bon, je pense que j'ai expliqué assez clairement. Si jamais c'est pas assez clair, vous repassez la bande. Parce que je pourrais pas l'expliquer plus clairement que ça. Mais je pense que bon, j'étais assez clair. Donc avec ces deux boucles for imbriquées, hein, la boucle for ligne et la boucle for col, nous allons parcourir le contenu de notre onglet qui nous sert de base de données. Bien, alors ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est de rencontrer évidemment des rendez-vous. Alors, on va définir les rendez-vous. On va définir le contenu d'ailleurs de chaque cellule de notre onglet 2015. On va définir le contenu, voilà, je vais y arriver comme ceci, par la valeur de la cellule. On va appeler ça valeur. Valeur, donc nouvelle variable, égale eh bien, le contenu de sheets onglet, puisque c'est dans la base de données, hein, c'est l'onglet qui nous intéresse, et la cellule cells, tout simplement ligne virgule col point value. Voilà ce qu'est donc on met le contenu donc de chaque cellule de notre onglet dans la variable valeur. Voilà, par contre, quand ça va être un rendez-vous, comme ici, il faudrait qu'on sache combien il y a de rendez-vous pour pouvoir les afficher. Alors ici, il y en a deux par exemple, donc il y a deux CHR de 10. Donc quand c'est un rendez-vous, il faut compter le nombre de CHR de 10 qui nous donnera le nombre de rendez-vous qu'il y a. Alors juste avant ça, on va le faire. On va dire nombre ligne, NB ligne, nombre de lignes dans le rendez-vous, évidemment, dans les rendez-vous.
égale, et là on va appliquer une fonction, enfin plusieurs, on va appliquer la fonction len, comme ceci, qui en fait retourne la longueur donc d'un objet exprimé en nombre de caractères. Donc en fait cette fonction, elle va nous dire combien il y a de caractères dans le contenu de la cellule. Elle va nous dire ça. Et alors pour connaître, enfin pour savoir que c'est le contenu de la cellule, il faut aller dans Sheets onglet, donc Sheets onglet, Cells ligne col, Cells, donc ligne, virgule col, point value, voilà comme ceci. Donc là on va voir le nombre de caractères qu'il y aura dans chaque contenu. Et pour compter donc le nombre, quand il s'agit d'un rendez-vous, pour compter le nombre de rendez-vous, il suffit de savoir le nombre de CHR. Ici il y en a un après en rentrée et un autre après personnel. Donc il y a deux rendez-vous. Donc là on a le nombre de caractères total, ça compte aussi les CHR de 10. Et on va écrire donc moins la même fonction, mais sans les CHR. Donc si on fait le total des caractères avec les CHR, et qu'ensuite on enlève le total des caractères moins les CHR, on va avoir une différence de 2 ici, qui sont les deux CHR qui existent, deux CHR de 10, et donc on aura le nombre de rendez-vous. Alors pour ça, on va tout simplement utiliser la fonction substitute d'Excel, mais comme nous sommes en VBA, il va falloir l'appeler. Alors on va l'appeler avec application, voilà, worksheets, worksheet function, je l'ai là, application worksheet function, et la fonction c'est substitute, je l'ai là, je l'avais tout à l'heure, substitute, voilà, et comme c'est une fonction, on met des parenthèses, je reviens à l'intérieur, et ça me demande les arguments. Alors les arguments, c'est donc le sheets onglet, cells, ligne, voilà, virgule, col. Alors, voilà, je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Ça peut paraître compliqué parce que c'est imbriqué, mais c'est pas très compliqué. Donc, on va remplacer CHR de 10, tout simplement par rien. Donc, ça va supprimer les CHR de 10. On devrait être d'accord, là. Bien, alors, on va faire un petit zoom là-dessus, pour bien entrer dans le détail de cette fonction. Je vais la faire rentrer dans l'écran, voilà, bon allez on va le faire complètement, ça va pas être très grossier hein, quand même, voilà. Donc je fais un petit zoom là dessus et je vous explique. Donc je vous expliquais que la fonction len, elle renvoie le nombre de caractères qu'il y a dans une cellule. Donc ici, ce sera les caractères de onglet cells ligne col. Donc là, on va dans onglet 2015. Et à chaque cellule, hein, ligne col, donc selon la valeur de ligne, de la valeur de col, mais ça sera à chaque cellule, on aura le nombre de caractères.
Bien. Et on va y compris donc les CHR de 10. Hein. Donc ça va donner un résultat. Supposons qu'il y ait par exemple 50 caractères, je dis n'importe quoi, qu'il y ait 50 caractères ici, ça va nous donner 50. La fonction len va nous donner 50. Ensuite, on enlève à 50, ben, le résultat de ça, c'est qu'on a encore la fonction len, mais cette fonction len, elle remplace les CHR de 10 par rien. Autrement dit, elle enlève les CHR de 10, du même résultat que ça. Donc cette fonction, elle va nous donner 50 moins les deux CHR de 10 qu'il y a en réalité. Donc ça va nous donner 48. Ça va donner un résultat égal à 48. Donc 50, on les a ici, moins 48, ça va être égal à 2. Donc nombre de lignes sera égal à 2. Et c'est bien le nombre de lignes qu'il nous faudra afficher, puisqu'on a deux rendez-vous. En fait, le nombre de CHR de 10 est égal au nombre de rendez-vous. Voilà. Donc à partir de là, on va continuer. Donc, je reviens ici et je reviens à la ligne. Et deux choses, enfin il y a plusieurs cas de figure. Soit dans la cellule en cours de lecture, hein, puisque là nous sommes dans deux boucles qui lisent le contenu de chaque cellule. Soit dans la cellule il y a des CHR de 10, auquel cas c'est un rendez-vous. Soit il n'y en a pas, auquel cas c'est soit un samedi, un dimanche ou un jour de fête. Fête mobile ou fixe. Hein. Dans tous les cas, si ce n'est pas un rendez-vous, ça sera un week-end ou un jour de fête. Donc on va poser la même condition que tout à l'heure. If, donc write, ça devrait vous dire quelque chose, valeur, virgule 1. Alors, write valeur, virgule 1, ça veut bien dire le premier caractère à droite qu'il y a dans valeur, c'est-à-dire le contenu de la cellule. S'il est différent de CHR de 10, donc dans retour à la ligne, ça veut dire déjà, on sait que ça n'est pas un rendez-vous, puisque seuls les rendez-vous se terminent par un CHR de 10, donc seuls les rendez-vous ont un CHR de 10 à l'extrême droite du rendez-vous. Ici, par exemple, à personnel, c'est la fin de tous les rendez-vous, là, il y a un CHR de 10. Alors qu'il n'y en a pas dans samedi 3, dimanche 4, ou les noms de jours de fête. Alors si ça n'est pas un rendez-vous et que valeur n'est pas vide, valeur est différent de rien, then. D'accord? C'est le même test qu'on a fait tout à l'heure, mais là on le fait ici pour l'onglet 2015. Donc on s'assure que ça n'est pas un rendez-vous et qu'il y a quand même quelque chose, puisque là, par exemple, ou là, il n'y a pas de CHR de 10, mais c'est pas pour autant un jour de fête ou un week-end. Donc il faut être sûr qu'il n'y a pas de rendez-vous, comme ici, donc pas de CHR de 10, et que ce n'est pas vide. Comme ça, ce sera un week-end ou un jour de fête. Alors, si tel est le cas, donc que ça n'est pas un rendez-vous, on va l'afficher, puis on va surtout donner une mise en forme comme tout à l'heure. Pour l'instant, on va juste afficher. Donc on va dire sheets feuille 1. Donc on l'affiche dans feuille 1, évidemment. Hein. Sheets feuille 1. Cells. Alors c'est là que vont nous servir la ligne 1, virgule, colle 1. Voilà. Point value, égale valeur. Voilà. Bien, ligne 1 et colonne 1, oui, puisque ligne 1
c'est ligne plus 2. Hein, ligne était au premier tour de boucle, tout est égal à 1, à ligne et colonne. Donc ligne 1, c'est ligne plus 2. Alors 1, 1, 2, on est bien en ligne 3. Et c'est pareil pour les colonnes. Colonne 1, c'est égal à colonne qui est égal à 1 plus 9. Eh bien, on arrive ici à la dixième colonne. D'accord, ça nous sert de décalage. Alors, ce qui est affiché ici en A1, en fait, il va falloir l'afficher ici en J3. C'est à ça que nous servent ligne et ligne 1 et colle 1. Ça va faire ce décalage. Bien, alors on va voir ce que ça donne comme ça. Donc, jour de l'an. Oui, mais enfin, on n'a pas appelé notre fonction subensemble. Donc, on va pas pouvoir le faire comme ça. Oui, mais on va faire un bouton mettre à jour la grille. Allons-y. Donc, développeur, insert comme ça. On va mettre ce bouton-là, ce sera plus pratique. Voilà, vue ensemble. Très bien. Voilà, bouton. On va l'appeler bouton pour l'instant, ça suffit. J'enlève ça. De création. Et je clique sur bouton. Il y a une erreur, bien sûr. Ça aurait été dommage, sinon. Ligne string. Alors, ça serait bien que ce soit un integer. Un integer et ensuite integer call as intérieur non integer alors ça c'est des fautes d'inattention. Bon, on va voir si c'est bon. Un bouton, ça marche toujours pas. Bon, excellent. Faudra peut-être un diff ici. Diff, voilà. Voilà, ça fonctionne. Donc voilà ce que donne pour l'instant notre fonction, enfin notre macro vue ensemble. Ça va chercher toutes les données qu'il y a dans la base de données, hein, dans 2015, et ça les affiche avec un décalage de 2 lignes et 9 colonnes, ici dans notre grille. Voilà, donc là, on a bien affiché tout ce qu'il y a ici dans 2015, jusque-là, hein, tout ça. On a bien affiché tout ça, sauf le rendez-vous. Vous pouvez regarder, il n'y a pas le rendez-vous du 2 de janvier, c'est vite. Mais c'est normal. Par contre, bon, on a des petits bugs, là, on a des dimanches qui ne sont pas de la même couleur que les autres. On verra ça, c'est pas trop le problème. Donc on va voir maintenant pour afficher notre rendez-vous. Ici, on agit quelque chose pendant qu'on parcourt la boucle. On agit à condition que ce ne soit pas un rendez-vous. Voilà pourquoi il n'y a pas de rendez-vous d'affiché. Ceci dit, on ne va pas encore afficher les rendez-vous. On va avant d'aller plus loin, on va pas se contenter de mettre simplement la valeur trouvée. On va également faire des petites mises en forme. Alors sheets, donc pour chaque cellule, hein, sheets feuille une. Cells. Donc là c'est ligne 1, virgule colle 1. Hein, quand c'est dans la feuille 1, c'est toujours ligne 1 et colle 1. On va faire un number format. Number format. Égal. Alors cette fois-ci on va faire 3D espace 2D. En fait ça nous sert
à avoir cette mise en forme là. Voilà, 3D c'est pour trois premiers caractères du nom du jour. Et espace 2D c'est pour avoir deux chiffres. Les deux chiffres, vous voyez, quand c'est un 7 par exemple, c'est 07. Un dimanche 01, c'est 01 et non pas 1. Comme ça, on a un format homogène. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va lui donner une couleur. Donc je vais faire un copier-coller. Copier-coller. Pour la couleur donc d'écriture, on va faire un font.color index égal 10 par exemple. Et on va lui donner également une couleur de fond. Donc ça c'est pour les week-ends. Donc intérieur color index égal 35, c'est un vert clair. 10 c'est vert, 35 c'est un vert clair. Et voilà. Bon, donc si je relance maintenant, ça sera un peu plus coloré, on va dire. Voilà, donc bouton, je relance. Propriété ou méthode, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, bon, je regarde ce qui se passe. Oui, alors en fait, ce que je pense, c'est que ça ne marche pas, ça bug, parce que je n'ai pas terminé. Il n'y a pas tous les cas de figure, puisque là, c'est juste les cas de figure où le contenu de la cellule de l'onglet 2015 est un week-end et n'est pas vide. Mais quand c'est un week-end, on n'a rien fait. Donc, on va laisser comme ça. C'est juste des mises en forme. On va faire un else. Donc, pour le cas où ce soit un week-end, hein, où il y a des CHR de 10, on va reprendre ça, comme ceci. Copier, coller. Et en fait, on va remettre la couleur de fond en blanc, donc intérieur color index égale 2, ça c'est blanc, voilà un diff. Ensuite donc pour les jours travaillés, les jours avec rendez-vous, on va faire le test, donc un petit if. Donc, if, donc, write, valeur, virgule 1, donc, égal, CHR de 10, donc, si c'est un, si c'est, si y a un rendez-vous, et que la valeur, évidemment, hein, and valeur différent de rien, then, on va tout de suite mettre le undiff, voilà. Donc dans le cas où on a affaire à un rendez-vous, on va faire un number format normal. Number format, number format d'entier en fait, hein, donc égal 0. Bon, allez, on active comme ça, il ne reviendra plus. Excusez-moi. Voilà, number format 0. Et ensuite, dans le même if, on va mettre une autre condition. Si le nombre de lignes qu'on a ici, hein, ici on a calculé le nombre de lignes qu'il y avait dans chaque rendez-vous, puisque là on est dans le cas d'un rendez-vous. Donc on va mettre si if nbline, si le nombre de rendez-vous donc égal 0, then
value égale rien. S'il n'y a pas de rendez-vous, on marque rien. Donc on va mettre directement un end if. Comme ça, ça sera peut-être plus clair. Et si par contre, if write, donc write de valeur 1 égale CHR de 10. Donc s'il y a des rendez-vous, un ou plusieurs rendez-vous, et qu'il ne s'agit pas d'une date, comme ça on sera sûr. Donc isDate valeur, donc que valeur n'est pas une date, donc égale false. Then. Donc là, dans ce if, on vérifie qu'il y a bien quelque chose, hein, qu'il y a un CHR de 10, mais que ce ne soit pas que la valeur, donc le contenu, ne soit pas une date. Date false. Hein. Alors là, on va faire des mises en forme différentes. On va faire des mises en forme différentes dès que j'aurai fait mon end if. Ici, voilà. Alors si je fais un coller, c'est bon. On va faire donc un font color index. Font color index égale 1. Donc ça écrira en noir. Ensuite, on va afficher tout simplement la valeur. Point value. Value égale NB ligne. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de remplir chaque cellule qui contient des rendez-vous, à savoir, ça sera celle-là pour l'instant uniquement, puisqu'en 2015, on n'a que la première ligne et la deuxième ligne, la première colonne, ici, cette cellule, où il y a des rendez-vous. Donc, dans un cas de figure pareil, ici, je vais écrire en noir. Ce que je vais écrire, ça sera un format de nombre entier, c'est-à-dire sans virgule. Ça sera 1, 2 ou 3. Et je vais mettre pour valeur le nombre de rendez-vous. Donc en fait, je vais avoir un 2 ici, puisque ici, j'ai 2 rendez-vous. Donc ici, je suis en train d'afficher un 2 en noir. Et donc, centré, on verra si c'est centré ou pas, mais enfin, je suis en train de faire la mise en forme. Hein. C'est ça que je suis en train de faire avec ça. S'il s'agit d'un rendez-vous, et s'il ne s'agit pas d'une date. Il n'est pas question que je mette les rendez-vous. Ici, les rendez-vous, je les mets ici, comme ceci. Parce que dans une cellule comme ça, il n'y a pas la place. Et si on veut tout mettre, ben, vous voyez, ça déforme la hauteur de ça déforme la hauteur de la ligne. Donc à force ça risque de devenir illisible. Ici je ne mets que le nombre de rendez-vous qu'il y a ou les jours fériés et les week-ends. Bien. Voilà, on a fait ça. Et puis il va falloir présenter ça encore mieux. On va mettre, comme j'ai fait dans la démo, une data bar, une barre de données. Donc coller. On va faire un format condition, ça on l'a vu tout à l'heure, add data bar, donc ça met une barre de données, add data bar, qu'est-ce qu'on va faire, on va la faire aller de 0 rendez-vous à 7, c'est ce que j'avais mis dans la démo. Alors, format de condition, pareil, je vais faire le... Oui, je sais, c'est une erreur. Voilà. Copier. Coller. Point. Format de condition, donc c'est pas data bar. Là. Ce sera format de condition de 1. Point. Donc, min point. Point modifie. Ah ben ce sera, c'est un petit peu compliqué là. New type.
2.égal Excel condition value number condition value number condition value number virgule new value égale 0. Donc le minimum, ça veut dire en fait cette phrase, cette ligne, ça veut dire simplement que j'ai oublié deux points. Ça veut dire simplement que le minimum de valeur de la data bar que je suis en train de mettre dans les cellules où il y aura des rendez-vous, eh bien le minimum de sa valeur sera 0. Et maintenant on va voir le maximum. Eh bien c'est facile, je vais faire un copier-coller. Copier-coller. Ici je vais mettre max, le maximum donc sera de 7 parce que c'est tout à fait personnel, mais je considère que 7 rendez-vous par jour en 7 heures c'est un maximum. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez, vous pouvez mettre 50, 200 rendez-vous, ça pose pas de problème. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire colorer la data bar en question. Donc je vais faire une copie de ça. Ça c'est fastidieux à écrire. Copier-coller. Voilà, donc format de condition, je l'ai. Bar color. Point. Color index, tout simplement. Égale 10, c'est-à-dire un vert. En vert, voilà. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, allons-y. Donc là, c'est ici, hein, il faut venir ici. Encore une petite erreur. J'aurais dû regarder ce qu'il y avait écrit. Non protégé, on fait perdre cet objet, d'accord, je vois ce que c'est. Ouais, ici c'est pas interior, c'est pas la première fois que je le fais, c'est interior rior comme ça, color index. Ah, ça peut-être aller mieux là. Voilà le résultat. Donc ça nous met en fait tous les week-ends et jours fériés en vert. Et ce que je viens de faire, donc, c'est mettre le nombre de rendez-vous quand il y en a en noir et de mettre une barre de données, la mettre en vert. Voilà, ça c'est obtenu grâce à ça. Donc dans le cas évidemment où il s'agit d'un rendez-vous, voilà, avec tout ça on obtient une barre de données comme ça avec le nombre de rendez-vous qu'il y a le 2 janvier. Effectivement il y a bien deux rendez-vous. Sujet au 2 janvier, voilà, on a deux rendez-vous. Voilà, donc ça fonctionne parfaitement. Après, bon, tout en vert, c'est un peu moyen. Ça serait bien de mettre les jours de fériés, par exemple, en rouge, pour ne pas les confondre avec, avec les week-ends. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Voilà, donc pour remédier à ça, hein, on va mettre les jours fériés comme fête du travail, victoire 45, fête nationale, etc. On va les mettre en rouge, hein. On les distinguera beaucoup mieux. Donc à la suite de ça, on va mettre un autre petit if, petite condition. Alors la première condition par exemple, ça peut être write valeur, virgule 1. Différent de CHR de 10. Donc ça veut dire si le contenu, hein, la valeur n'a pas, enfin le dernier caractère du contenu n'est pas un CHR de 10, ça veut dire donc que ce n'est pas un rendez-vous et que valeur n'est pas vide.
Et que valeur n'est pas une date, donc isDate valeur égale false, then. Voilà. Et undiff ici comme ça. Voilà. Alors donc, si donc le contenu hein, n'est pas un rendez-vous, si le contenu n'est pas vide, et si le contenu n'est pas une date, c'est donc que c'est un jour férié. Et alors on va lui appliquer ceci. Copier. Coller. On va juste changer les couleurs. Alors le rouge c'est 3 et on va mettre 40, c'est rouge clair, et on va voir maintenant ce que ça donne. Bouton, voilà, là on a les jours fériés de couleurs différentes, donc ce qui est pas mal. On a notre barre de données avec le nombre de rendez-vous tel jour. Il ne manque qu'une seule chose, c'est les jours fériés, les fêtes religieuses. Alors ça c'est un gros morceau, mais on va le faire, c'est pas grave. Allons-y gaiement. Bien, alors on va pas s'embêter. Si on vient ici, on se rend compte que on a toutes nos fêtes religieuses ici. On a la date ici. Et la fête se rapportant à la date juste à côté. Donc ça démarre ligne 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À ligne 14, à la colonne 14, pardon, on a la date. Donc si la date du calendrier est égale à cette date, on sait qu'il faudra écrire Pâques. Si la date du calendrier qui est ici, hein, de 2015, est égal à cette date, il faudra écrire dans la feuille 1, lundi de Pâques, comme ça, et ainsi de suite. Donc on va se servir de ça. Allons-y, donc on va faire des if encore. On va définir une variable férié, par exemple. Férié égal. Eh bien, ce qu'il y a dans la matrice. En fait, ce sera la cellule de la matrice, donc égale sheets, férié égale sheets, matrice. Voici. Et donc, en ligne et colle, hein, point, celle. Ligne, virgule, col, point value, point value. Alors voilà, on dit que la variable férié, c'est égal à ce qu'il y a dans matrice pour chaque cellule. D'accord. Donc comme ça, on aurait une date. Une date qui ici est présentée en ce format-là, mais le 5 avril, c'est ici. 5 avril, c'est ici. Ça a beau ne pas avoir le même format, c'est ce dimanche 5 là, c'est exactement égal à cette date là. C'est pas parce que le format est différent que la valeur n'est pas la même. Donc là, on tombera bien sur cette cellule qui est égale à celle-ci. Et dans ce cas-là, eh bien, au lieu de mettre la date de ce format-là dans feuille 1, eh bien, on mettra cette valeur là, à savoir Pâques, dans feuille 1 au 5 avril, ici. D'accord. Et on fera pareil donc pour toutes les fêtes religieuses. C'est assez simple puisqu'elles sont listées ici. Donc allons-y gaiement. Alors férié, donc c'est la valeur de la cellule qu'il y a dans matrice. On va dire que si férié, si férié égal sheets matrice, donc sheets
matrice, point cell, cells, alors, point cells, donc là c'est précis, donc le premier cas de figure dans matrice, ce sera ligne 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, donc ligne 1 et colonne 14, 16,14. Donc si la date en question est égale à cette date, donc ce sera cette date hein, qui sera égale à cette date, alors on affichera ceci pack ici. Comment le transposer en VBA? Ben on fait un then déjà, then et undiff. Donc, si c'est le 4 avril, donc, pour Pâques, on va dire que sheets, hein, donc tout ça là, non pas ça, puisqu'il s'agit maintenant d'écrire dans cette feuille-ci, hein, dans la vue d'ensemble, donc ce sera sheets. Feuille 1, point cell, 16, bah, ligne 1, colonne 1, donc ligne 1, virgule, col 1, point value, donc là, on dans cette cellule-là, on y mettra sheets matrice, on y mettra ça. Oui je sais, on y mettra ça, on copier coller, sauf que c'est la valeur de la colonne 15, d'accord. Alors si ferrier est égal hein, on part de matrice, si une de ces cellules n'importe laquelle est égale à ça, ce sera vrai quand on arrivera à parcourir cette cellule là, ce sera la même date que ça, donc ça c'est ce qui est dit ici dans la condition if. Si ça c'est vrai, alors dans la feuille 1 et la colonne et la ligne en cours, donc si c'est le 4 avril, donc c'est quand on arrive là, pardon, c'est quand on arrive ici. Eh bien ici, on mettra la valeur qu'il y a dans matrice, mais non pas colonne 14, mais 15. D'accord? Alors, on va voir tout ça. Normalement, ça devrait marcher uniquement pour Pâques. On va tester ça de suite. Voilà, bouton. Voilà, vous voyez que pour Pâques, ça marche. Il y a bien écrit Pâques. Alors comme c'est une fête, on a dit qu'on mettait les fêtes en rouge, donc on va modifier ça de suite, et on fera la même chose pour les autres jours fériés. Alors donc on écrit Pâques, ça c'est fait ici, voilà, et maintenant on va faire une mise en forme, une petite mise en forme, donc c'est avec Sheets feuille 1, voilà, copier, coller, on va lui donner une couleur d'écriture, donc fente color, fente color index égale donc 3 pour le rouge, c'est bien. Ensuite on va lui donner un intérieur color, interior color index égal 40 comme tout à l'heure, hein, comme ça ça sera exactement pareil. Donc voilà, là maintenant on devra avoir notre jour de Pâques comme les autres jours fériés. Donc je clique, voilà, ça marche, Pâques est en rouge, il n'y a pas de souci. On comprend que c'est un
un dimanche, hein, puisque ça suit le. C'est toujours dimanche, de toute façon, les Pâques, le jour de Pâques, et ça suit le samedi, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, on va faire pareil pour toutes les autres fêtes. On va pouvoir faire des copier-coller, ça ira plus vite. Alors. C'est pas à peine de répéter le férié égal, donc copier, coller. Alors, si férié donc est égal à ligne 14, ici ça va être la ligne 2. La ligne 2, et bien ici ce sera également la ligne 2. Et ça doit marcher donc pour le lundi de Pâques. Également Pâques et lundi de Pâques, donc ça marche. Et bien on va faire pareil, c'est normal hein, que j'ai fait comme ça. J'ai juste rajouté 1 au numéro de ligne, puisque c'est comme ça que ça se présente en fait hein. On était là, ben, si vous rajoutez 1 au numéro de ligne, vous arrivez au lundi de Pâques. Si vous rajoutez 2, ça sera ascension, et ainsi de suite, hein. C'est pas la peine de se casser la tête. Allons-y gaiement. Donc on va faire un autre collé. Et donc là je vais mettre ligne 3. Ligne 3 et ici aussi. Ligne 3. Voilà, je recolle. Et je vais mettre ligne 4. Voilà, 4 ici et 4 également ici évidemment. Voilà, et je crois qu'il y en a encore un. Voilà, coller, ça sera ligne 5. Ligne 5 et ligne 5. Et je pense que ça s'arrête là. Voilà, ligne 5, on a terminé. Voilà, donc là on doit avoir tous nos jours fériés, qu'ils soient religieux, enfin mobiles ou fixes. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors là j'ai dégrisé la zone, hein, la grille en cliquant dessus. Ce serait bien qu'on n'ait pas besoin de cliquer dessus pour que elle redevienne normale comme ici. Donc je vais faire je vais sélectionner une autre cellule, par exemple D14, ça la mettra en valeur en même temps et on devrait être bon. Alors next line, donc quand on a fini les tours de boucle, on va se positionner sur D14. Voilà, point select. Point select, et là du coup ben, on doit être bon. Voyons, bouton, voilà, ça met à jour et ensuite ça sélectionne D14 et du coup ça n'est plus grisé. Donc on est arrivé à nos fins. Alors vous voyez que c'est très long, c'est très long, c'est pas forcément très clair, parce que si vous connaissez pas quand même les bases de VBA, à mon avis vous ne devez pas comprendre grand chose. Sachant surtout que pour tout ce qui est programmation, on apprend pas avec des tutoriels, hein. On apprend avec une formation sérieuse et solide. Donc c'est pour ça que je suis formateur, notamment, donc je vous le précise au cas où, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, je peux vous former sur VBA de façon beaucoup plus efficace qu'avec un tutoriel vidéo. Ça prend des heures, hein. Ça prend des heures, ça représente un budget, mais lorsque vous allez terminer votre formation avec moi, vous maîtrisez parfaitement VBA à un niveau d'expert, hein, c'est-à-dire que vous savez tout sur la programmation Visual Basic. Voilà, donc je vais faire une petite pause et ensuite on verra ce qu'on peut faire de plus avec les boutons. Bon, alors simplement ce bouton là, bouton 22, non, on va l'appeler, ça, mise à jour grille, voilà, je ne reviens pas à la ligne, par contre, je lui donne une autre dimension, voilà, voilà, mise à jour grille, très bien.
Donc voilà où on est arrivé. Je fais une petite pause, je prends un café et je continue à condition que la vidéo ne soit pas trop longue. Bien, alors j'ai regardé ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Uniquement pour cette deuxième partie hein, de tutoriel, j'en suis à 1h40. Donc plus les 50 minutes de la première partie, ça devient très très long. Je ne vais pas pouvoir continuer, je ne vais pas faire une vidéo, un tutoriel de 3 ou 4 heures, hein, parce que plus c'est long et moins c'est clair en fait. Donc je vais m'arrêter là. Par contre, il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas vues, hein. On a bien avancé quand même, on a fait pas mal de choses, mais par rapport à l'original, à ce que je vous ai montré au début, en première partie, bon, il n'y a pas ces deux boutons, ça va savoir gérer les onglets, pour afficher ou cacher les onglets. On n'a pas fait le bouton de suppression de notification de rendez-vous. On n'a pas fait les clics réactifs, donc sur la grille de la vue d'ensemble, où lorsqu'on clique sur une cellule, sur une journée, les colonnes et les lignes de la vue d'ensemble se mettent en exergue, de façon à un peu plus vite repérer où est située la cellule sélectionnée. On n'a pas fait en sorte non plus d'afficher le contenu lorsqu'il y a un contenu dans l'une de ces cellules, de l'afficher ici. On ne l'a affiché qu'avec la barre de défilement, mais pas avec un simple clic. Et on n'a pas non plus, on n'a pas fait beaucoup d'exemples de prise de rendez-vous, etc. Ni même de changement. Hein. Comment faire pour changer d'année ici, par exemple, si je mets 2017. Voilà, la grille se met à jour automatiquement et on se rend compte que pour 2017, on a déjà deux rendez-vous. Voilà, bon, ça on ne l'a pas fait. Mais écoutez, je suis à votre disposition. Abonnez-vous à ma chaîne et je répondrai à toutes vos questions. C'est simplement pour limiter, hein, c'est pas pour faire du favoritisme que je vous dis de vous abonner. D'abord, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés. Et puis ensuite, bon ben quand on s'abonne, ça prouve quand même que on n'est pas juste un petit curieux, on s'intéresse quand même à ce que le youtubeur fait. Enfin, c'est-à-dire que ça prouve que vous vous intéressez à ce que je fais. Et donc, je répondrai de façon d'autant plus motivée et d'autant plus précise si je sais que vous êtes vraiment intéressé, quoi, ce qui est un petit peu humain, quoi. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je peux vous fournir l'original, enfin c'est-à-dire celui-ci, hein, cette application-là. Il suffira d'enlever cette pub là, et puis voilà, ce sera à vous, hein. Sinon, bah, vous pouvez me contacter soit par YouTube, soit par mon site informatiqueadomicile.upin.fr. Vous pouvez me contacter donc puisque vous aurez un formulaire de contact ou un numéro de téléphone. Alors pour les coups de téléphone, s'il vous plaît, appelez-moi en semaine et entre 9h à 19h. Il y en a parmi vous, vous n'êtes pas des millions à me suivre, mais vous êtes quand même très nombreux. Il y en a un petit peu dans tous les pays, notamment au Québec, en Afrique et en Asie. Faites attention de ne pas m'appeler lorsqu'il est 2h du matin en France. Je suis en France, donc essayez de respecter un petit peu des horaires de journée pour me passer un coup de téléphone. Et donc, je vous répondrai avec plaisir, hein, je rentrerai beaucoup plus dans le détail et vous verrez que ça vous semblera moins fastidieux qu'avec un tutoriel. Un tutoriel, c'est bon lorsqu'on connaît déjà son affaire et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais lorsqu'on découvre un langage de programmation, on peut s'imaginer un petit peu ce que c'est, mais on ne peut pas apprendre un langage de programmation avec un tutoriel vidéo. Ça s'apprend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une formation sérieuse et solide. Et pour ça, je suis encore à votre disposition, hein, je suis un professionnel et pédagogue, donc je peux vous former sans problème. Si vous êtes en France, mes formations sont toutes accréditées par l'État,
Donc il y a forcément une possibilité de financement pour vous. Et donc il faut pas hésiter, quoi. Bien, je vous remercie donc d'avoir été si patient. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Donc à bientôt. Au revoir.